woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta work. Ça nous a permis de faire quelques ajustements sur nous, de permettre de régler quelques petits points sur nos points de jeu à améliorer, donc ça a été plutôt bénéfique pour nous. Ça a été du temps de travail. Ouais. Bon, la saison est longue, c'est vrai que c'était une période où les matchs venaient quand même les uns après les autres, mais c'était un repos qui était bienvenu. Ouais. Bon, c'était une belle compétition, c'était un beau spectacle pour le public et c'est vrai que c'est une très belle équipe de Monaco qui l'a remporté. Enfin, c'est une belle équipe de Chalon aussi, mais Monaco a fait forte impression et c'est prouve qu'elle est candidate au titre. Bon, certes, ils perdent dès leur premier match, mais ça reste une très belle équipe avec un gros effectif. Donc ça va pas être un match facile à jouer, mais tout peut se passer sur un match. Bon, ils ont un bon meneur de jeu et à l'intérieur aussi ils sont très forts avec des joueurs comme Marcus Dove et il y a Steven Gray aussi qui est capable de prendre feu très rapidement. Donc oui, ça va être il y a des dangers un peu partout dans cette équipe, elle est à craindre. On va essayer de contenir leur rythme car on sait que c'est une équipe qui est très forte sur le jeu de transition et la contre-attaque. Donc on va essayer d'imposer notre rythme et je pense que c'est par là qu'on peut espérer une victoire.